Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Resident Evil Village, la démo gameplay disponible sur Steam, sur PC. On a du coup ici 1 heure de gameplay disponible pour la démo, alors je suppose que ça doit rebooter à chaque fois qu'on lance le jeu, je ne sais pas, mais j'espère parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux démos. Puisque oui, il y a eu 2 démos disponibles sur console, donc la partie village et la partie château. On va essayer de se faire les deux, mais en 2 vidéos distinctes, sinon ça risque d'être un peu long. On va pas trop perdre de temps, sachant que j'ai testé de mettre le jeu vraiment, vraiment à fond. Vous voyez que là, je suis vraiment à la limite de ma VRAM, de ma carte graphique. Et j'ai mis la qualité au maximum. Donc, je peux pas faire mieux que ça. On verra si ça passe. On va partir en facile, hein, vraiment, parce que moi, je suis vraiment une grosse brêle. Alors, cette démo est limitée à 60 minutes de jeu. Vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. Cette démo ne permet pas de sauvegarder, charger la partie. Alors, je ne sais pas du tout, du coup, si c'est enfin, 1 heure complète après ça se bloque, on peut y jouer. Ou si c'est 1 heure où on démarre le jeu et ça refonctionne pour 1 heure. Vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez, de ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent! C'est ici. Mansoubert. Alors attendez, je vais activer les sous-titres. Ça sera peut-être un peu mieux. Alors par contre, je sais pas du tout où est-ce que c'est. Sous-titres. Oui. Comme ça sera mieux pour ceux qui le comprennent pas trop. Du coup, c'est la suite directe avec Resident Evil 7. Oh, par contre, je vois que dalle, bro. Mais vraiment que dalle. Et normalement, on va retrouver Ethan et Miranda dans. Enfin, on joue toujours Ethan, je suppose. Je cherche super quoi. Waouh. Alors là, vu que pour la démo, c'est. Je ne sais pas si on joue Ethan directement, si c'est vraiment une partie du jeu. Mais dans tous les cas, je sais que Percy l'a préco. Alors je sais pas par contre s'il a préco sur PC, mais s'il l'a sur PC, je le ferai sûrement en let's play. Puisque moi j'ai bien aimé le 7. J'ai bien aimé le 7, même s'il faisait vraiment. Enfin l'ambiance était vraiment pas celle de la démo. La démo faisait vraiment plus flipper que le jeu. Donc là, on peut aller nulle part. Par contre, quand on est dans le noir, frère, avec le ray tracing et tout, je vois que dalle. Ah, pourquoi on me propose de courir? Les chefs protègent notre village des habitants du mauvais œil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère. Ah, bon, faut pas me dire ça. Par contre, j'aurais peut-être pu. Ouais, j'aurais peut-être pu le détruire avec mon cut. J'avoue, j'avoue. Par contre, ça te met direct dans l'ambiance, quoi. Oh putain. Que ça mène au château. Faut récupérer des trucs. Oh là là. Une plante. Ouais. Alors, faut que je me remette un peu dans le bas de Resident Evil, hein, parce que les crafts et tout. Je me souviens plus du tout. Je vois que dalle. Morceau de relief. Ah, bah, c'est un morceau pour la porte, ça. Objet clé. Alors. Comment on pivote? Voilà, comme ça. On est où, nous? On est ici. Heure, je suppose.
Objet clé, attends. Si la communauté s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un se trouve dans l'église, l'autre a été confié à Luisia. Alors, est-ce que Luisia, c'est la maison où je suis? Je ne sais pas. Je suppose. En tout cas, j'ai le jeu au max, avec les qualités au max, et ça a l'air d'être plutôt fluide. Je suis à 60 FPS constant, j'ai pas débloqué les frames pour être sûr. Morceau de relief visage, mais non, ça va pas rentrer. Ni con. Donc ça va, je suis plutôt satisfait pour l'instant. Ok. Du coup, je suppose que c'est pas ici. Ce n'est pas le bon morceau. Ok. 5 minutes de jeu. Putain, il y a même des succès sur la démo, quoi, frère. Mais frère, là, il y a rien qui suit sur ça. Ah si, peut-être comme ça. Ok. Ouais. Et du coup, l'église, elle est où? Bah non, c'était ça l'église. Donc faut chercher la maison de Luisia, je sais pas quoi là. C'est vrai, depuis l'autre côté, bah tiens, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. Bah, c'est ça sa maison du coup. Donc il doit y avoir un truc là-dedans. Parce que tout à l'heure, je n'ai rien vu. Alors, après, je vois vraiment que dalle. Plus de chimique, très bien. Je vois vraiment que dalle, alors vraiment. J'y vais à tâtons, cette serrure pour être crocheté. Est-ce qu'on peut crocheter avec. Non. Vandalisme! Bah, y'a rien là, on est d'accord. Y'a coup dalle. J'entends des bruits chelous, frère. Yes! Ça commence bien, dis donc. Un peu pareil. Je viens de trouver un trou, frère. Bah, je suppose que c'est celle-là la maison. Hein. Je vois pas d'autres maisons, moi. On peut pas se barrer derrière. Non. Parce qu'on voyait que l'église était à gauche et la maison. Ah, c'était celle-là par contre. Une fois un objet. C'est fermé. Par contre, j'utilise mes munitions, mais. Quand je l'aurai besoin, je n'aurai plus, frère. Bon, par contre, je voulais bien trouver une sortie, bro. Attends, je peux pas. La ferraille. Alors, est-ce que ça, je peux pas la mettre là, du coup? Il faut un objet, putain. Captain Obvious, quoi. Chercher Rose. Rose! C'est Jack! Where are you, bro? T'entends des bruits chelous, frère! Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec le puits là, mais. On peut rien récupérer là? Non. On ne peut rien récupérer en. Des pièces noires. Ah, un poudre noir, ouais. Je sais même pas. Je sais plus lire, moi, frère! Vraiment, on peut pas revoir. Non, on peut pas revoir ce que j'ai vu dans les papiers. Je vais tirer. Ah bah attends, peut-être c'est écrit.
Château. Ça se trouve, elle est sur une tombe. Est-ce que j'avais vu le truc là? Là, il y a le château. Ouais, c'est ça, hein. Tu traverses le cimetière, c'est une grosse maison, mais... Attends, il y a un chemin... Merde, putain. Je tire comme un con, en plus, moi. Je vais arriver contre un mont, j'aurai plus de balles. Pour moi, tu suis le chemin et c'est une grande maison. Alors, c'est soit celle-là. Ou soit celle-là. Mais là, il me manque des objets et là, c'est fermé de l'autre côté. Super! Ça se trouve, il y a un passage secret quelque part. Je suis à 10 minutes de jeu, frère. Par contre, si je suis bloqué à 1 heure de jeu, je peux pas lancer l'autre. Ce sera un peu con. Je suis sûr qu'il est là quelque part, le truc. Mais je vois rien en plus. Frère, j'entends des bruits. Là, je peux la crocheter, mais j'ai rien pour le crocheter. Ça, on peut pas l'ouvrir. Ça, on peut pas l'ouvrir. Frère, je m'en parle, hein. Putain, j'ai peur. C'est quelqu'un qui a ouvert la porte, mais c'est parce que j'ai fait F à côté de la porte. Je vois pas où est-ce que ça se trouve. Je peux pas sauter, hein. Bah pour moi c'est dedans, hein, clairement. Mais... Parce qu'il y a toujours un mais. Je ne sais point comment on rentre en... Bah il y a un truc avec le puits, c'est obligé, mais... Quoi? Il faut un objet, mais... Marrant lui. Alors, soit je suis teubé et je vois un truc et je le fais pas. Donc, soit vraiment je suis teubé et je vois un truc et je le fais pas. Pour moi, il doit avoir un passage d'une maison à une autre. Je vois que ça, là-bas, c'était quoi? Objet. Non, non, non. Ouais. Après, il me propose pas rien. Il y a une sorte de fœtus entouré de ciselles. Ouais, bah, je pense pas que ce soit par là. Hein. J'ai pas vraiment tout check ici. Ah bah. Ah bah attends. Wow, calm down! J'en ai vu à partir là-bas. On va retourner sur le chemin. Alors je pense que ça c'est vraiment la route pour aller vers la maison. Attends, tu vas me dire que je suis obligé de passer à... Oh, je suis obligé de passer dans les grandes feuilles.
Dans le champ, enfin le truc qui ressemble à quelque chose. J'en sais rien à quoi ça ressemble, mais frère, elle veut pas passer dedans. Seulement il y a Autolock là. Ouais, il y a Autolock qui est là. Ah, il y a l'autolock, c'est nul. Allez, je vais... Ah, par contre, t'as le droit de mourir, hein. Ouais, je... Ah, c'est nul. Alors, je sais pas si c'est fait que je suis en facile ou quoi, mais... Ça se peut, hein. Regardez, je sais exactement où est-ce qu'il est. Wesh. Wesh, c'est gros, lui. T'as le droit de mourir au bout d'un moment, frère. Fermez la porte. Quoi? Genre, y'a des gens vivants ici, quoi. Vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Dur. Le père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Par contre, si vous aviez des munitions de pistolet, ça me dérangerait pas, tu vois. Hein. Ah non, sinon ce serait trop simple. Putain, mais il y a des puits partout, là, je sais pas ce que c'est. Ah, des munitions. Trop bien. Il faut un objet. Eh, ça, par contre, les puits, ils sont cassés les couilles, frère. Alors, est-ce que c'est ça, sa maison? Je suppose. Yeah, on va les faire caca, bro. Est-ce que je peux ouvrir la porte de la... Alors, je pense que c'est une très mauvaise idée, mais c'est pas grave. Venez, c'est ouvert. Vite, vite. Oh, s'ils se font bouffer, je rigole. T'en as mis du temps. Quoi? Ouais, frère, j'ai mis 2 minutes, quoi. Il a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Hé! Vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre. Yeah, yeah. 2 secondes. Pourquoi objet clé? J'ai plus rien, là. Ah bah, ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut. Il faut que tu t'accroches, papa. Faut un tournevis ou... Il saigne. Eh oh! Y'a quelqu'un? Non, y'a personne! Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Oh. Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Lilian, du calme. C'est qui, lui? Mon ami! Reste où t'es. Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Oh, allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde.
Qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, alors, casse-toi. Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Bah, j'aurais bien voulu voir dehors s'il n'y a pas autre chose à récolter. Restez ici, je vais voir les autres. Ouais, tiens, je vais rester ici sans broncher, c'est cela, oui. Alors, Lisa, une partie des bétails a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à l'Ernest qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Mais Miranda, c'est notre meuf, hein. Qui était que nous dans l'hélico quand on a terminé le set. Tournez les pages. Oh, trop bien, tournez les pages. On va regarder des photos. Attends, on va voir notre meuf. Oh shit. Oula! Oula, c'est pas moi. Attends, j'ai pas fait ligne de vadrouiller. Wesh, attends, suivez-moi, elle est partie où, frère? Venez, les autres nous attendent. C'est qui, lui? Un étranger, vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Ouais, c'est ça, ouais, demain. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri! Tous les connards dehors se sont fait triper! Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana! Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Bah, t'es pas content, casse-toi. Qu'est-ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. Oula. Il cherche... Bon, ça... à dire de la merde, je trouve. Hein. Prions, jésuite. Pour nous tous. Je suis sûr qu'il va revenir et il aura été mordu ou un truc dans le genre et... Puissant, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, je suis sûr que ça va pas faire un couille. Nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous est en face, je le sens pas là. Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Oh, chien! Putain, qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Ah! Je savais bien que ça allait partir en gouille. Ah, salut beau gosse. Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Je suis prêt à dégainer mon arme. Ah. Vas-y, déglingue-le là. Aide-moi, elle est là.
Merci. Elle sort, y'a un pompe ou ça se passe comment là? Ah ouais. Ah, déglingue-le. T'as pas tiré dans la tête, bro, il va se relever. Par contre, t'aurais pu me donner l'arme. Pardon, papa. Regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Il va se relever. Oh, t'es tapé moi du coup maintenant. Elena, non. Y'a plus rien à faire. Papa, tu risques de s'effondrer. Non. Quoi? Vous pouvez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule. Non. Non. On va sortir d'ici tous les deux. Par contre, on passe des trucs en bois, des trucs en métal. Je sais pas pourquoi, mais c'est encore un truc chelou cette histoire. Alors, je regarde si je peux péter les cartons, hein. Même si je sais que je peux pas les péter. Putain, ça passe 25 minutes de jeu déjà. Vraiment, j'espère que c'est une heure pour chaque démo, parce que si c'est une heure pour les deux, bah, pas dans la merde avec moi, je te le dis. Par contre, je peux rien ramasser. Peut-être garder son arme en main. Ah, d'accord. Cool, tout qu'on fait ici. Genre, le feu, il avance pas, quoi. Tranquille. C'est quoi? 500, waouh! J'ai de l'argent! Pourquoi j'entends des bruits chelous là, de déplacement et tout? Ok, ok, ok. Y'a pas grand chose hein! Ah, oh, je suis déçu, je peux pas péter les bouteilles. Cartouche de fusil. Yes. Donne-moi ça. Par contre, j'ai pas le fusil. J'ai pas le fusil. C'est un peu embêtant ça, dis donc. Bon, par contre, y'a rien. Hein. Y'a coup dans le... Faut vite que je trouve une solution. Yo, ton fusil, bro. Ok, y'a un truc à faire ici. Il faut trouver une clé. Oula, ça a vachement avancé de feu ici, dis nous. Alors, où est-ce qu'il pourrait cacher une clé? Une petite clé, bro. Putain, mais tout y est fermé, je peux rien ouvrir. Il y a un truc dedans, je peux pas le prendre. Mais frère, je suis un gros bigleux ou ça se passe comment? Alors j'espère vraiment que le feu il avance pas parce que sinon on est dans la merde hein. Clairement bro, t'es morte hein. Ah, on peut ouvrir. Y'a rien, super. Vachement avancé ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 bah écoute, je crois qu'on va mourir ensemble dans le feu. Parce que... Vraiment, il n'y a rien. Là, le seul truc... Putain, mais il y a... Il y a des bruits, frère. Calmez-vous. Il n'y a rien. Ah, je veux bien faire un effort, hein, des fois, mais... Y a rien du tout. Bon, ça se trouve, je passe à côté de trucs. Hein. C'est obligé. Ah, la preuve. Examinez les objets en détail pour trouver des nouveaux indices. Là, il y a un truc dedans. Là. Ça, là. Qu'est-ce donc ça, là?
Un tournevis, ouais! Ah, le tournevis, j'aurais peut-être besoin. Si vous êtes n'importe. Ouais, ok, super. Je trouve les indices après avoir trouvé les objets. Super, quoi! Ah, le tournevis, j'en avais besoin pour un truc. Une plante. Ah, mais le feu, il avance. Ouh là là! Merde! Ah, le feu gagne du terrain! On va tous mourir! Monte si tu veux vivre! Vous allez faire quoi? Reculez! Je vais tenter quelque chose. Je sais pas, mais ça a dit de mal se passer, je pense. Vroom! Ah, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hein. Vraiment. Ethan, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Alors, j'ai envie de dire. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a pas le choix, il faut monter. On va dire utilité zéro de ce que je viens de faire. Venez, vite. Eh, hey, bouge ton cul là, dépêche-toi. Oh, je vois rien. Allez, avance là, bouge ton cul. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. C'était téléphoné. Oh, nous sommes sauvés. Il y a une fenêtre. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. Ouah, c'est pas grave. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Mais non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester. Ah, je veux pas te dire, mais j'entends des. Papa ! Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Ah. Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Ouais, bah allez, va crever, tu me feras moins chier, hein, je te le dis. Allez, hop. Bougez pas ! Non, c'est bon, là, il me casse les couilles, va allez. Voir ton père, il casse pas les couilles. Ma main. Voilà, tout ça pour ça. Vraiment, les gens, des fois, ils sont cons. Pourquoi est-ce que tout le monde... Elena... C'est horrible. Bon, et si on partait de là, nous? Par contre, j'aurais bien trouvé un fusil à pompe. Je comprends pas. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de fusil à pompe ici. Hein. Allez, on s'en fout là. Ils sont morts. Mais pourquoi ça commence? Ouais, j'avoue, c'est ce que je veux dire. Non, t'es. Toujours dans la merde, toi. T'es toujours dans les mauvais vibes, bro. Dommage, on peut pas ouvrir la porte. Oh, par contre, il y a l'autre mec au fusil à pompe qui était sorti là. Enfin, un fusil de chasse ou fusil à pompe, j'en sais rien, qui était parti faire sa ronde de merde. Alors, le tournevis, il y avait besoin pour là. Hop. Merci, au revoir. Bon, par contre, faut retourner jusqu'à l'entrée là-bas. Ah! Ah! Ah, ouvre la porte, toi, putain. Il est là. Arrêtez. Merde, en dehors. Hey. Quoi? C'était qui? C'était
alors moi je veux bien son fusil à pompe du coup. Il est mort. T'es mort où, bro? Attends, tu vas pas me dire que je vais pas trouver son corps? Putain, c'est une blague. Et t'es mort là, quelque part là. Frère, au bout d'un moment, montre ton corps là. Je suis pas con, attends, j'étais où j'étais là? Ils étaient juste là, là, toute ma gueule. Écoute, allons tout droit. À moins qu'elle a embarqué son cadavre, hein, ça se trouve. Fabriquer des munitions, ouvrir pour confectionner. Vous pouvez fabriquer des objets. Ok. La poudre et de la ferraille. Ok. Bon, là, y a rien, du coup, je suppose. Putain, je suis dégueu, là, j'aurais bien voulu trouver son fusil à pompe à l'autre. Encore elle. Quand on cassait les couilles. La mort. Oui. La mort ou tchétché. La mort leur a tous rendu visite. Vraiment pas bien, elle. Pas pourquoi, à mon avis, je vais mettre les deux trucs. Ça va être mauvais pour ma, pour moi. Je sais pas pourquoi, mais... Non. Ah si, c'est bon. Genre, elle va arriver derrière, je vais me faire des glingues, je sais pas pourquoi. Yes! Bah écoutez, on a terminé la première démo. Je vais m'arrêter ici pour la première vidéo. J'espère vraiment que je vais avoir une heure pour la deuxième, parce que sinon ça va être compliqué de terminer l'autre démo en 25 minutes, sachant que celle-là j'ai mis 35 minutes, enfin 33 minutes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pourrez télécharger du coup gratuitement la démo qui est disponible du 2 mai au 10 mai. Sur Steam, sur PC, gratuitement. Donc je pense que c'est avant la sortie du jeu. Donc vous pourrez tester les deux démos comme moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu. Si le jeu vous intéresse, il y aura un lien dans la description qui vous mènera vers Games Planet. Et avoir du coup une précommande à moins 10%. Je crois même qu'il y a un code promo, je mettrai tout dans la description de toute façon si ça vous intéresse, avec toutes les éditions disponibles. N'hésitez pas également à check en description Twitter, Facebook, Instagram et Discord pour venir papoter, me suivre également sur mes lives sur Twitch. Nous on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo que je mettrai en fiche quelque part, de toute façon dans les deux démos, pour pouvoir voir les deux parties. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin d'heure. Bonne fin d'après-midi, pardon. Une bonne soirée et à très bientôt. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. You're whining. We're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Long, long ago. Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us.
You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job!